Bonjour à tous les amis, vous êtes sur la chaîne de DayZNetwork.fr, c'est Mad et on se retrouve pour la suite de mes aventures sur Cannot Fire DayZ Epoch. Ah, ça fait quelques jours que j'ai pas joué. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi je suis mort. Tout simplement parce qu'avant de préparer cet épisode, restant dans 30 minutes, avant de démarrer cet épisode, j'ai fait un petit tour en hélicoptère. Et ne regardez jamais votre smartphone quand vous êtes en hélicoptère. Ça peut vous coûter la vie. Tant pis. Du coup, me revoilà ici. Bon, de toute façon, hein, j'étais aussi plus ou moins fraîche-pône avant. Donc on va repartir tranquillement. Deux petites secondes. Voilà. C'était juste pour... rien. oui, donc... Bah on est à côté de l'airfield de Balota, donc on va aller looter l'airfield de Balota. On va voir si j'arrive à trouver de quoi me stuffer. On va commencer par le baraquement si déjà je suis de ce côté. On va quand même faire gaffe. Donc nous on est par là, je viens de voir un zombie là. Ouais, on est d'accord, il y a un zombie par là. Ok, bah moi je vais progresser. On va faire attention. Alors, je me méfie toujours de ces collines parce que moi-même je viens souvent par là. C'est vrai que quand on est à Tcherno, c'est très facile de venir par là et d'être super discret là-dedans. J'en ai déjà croisé plusieurs. Merde, il est où le zombie? J'en ai déjà... Il est là-bas. J'en ai déjà croisé plusieurs, j'en ai déjà tué plusieurs. Ok, le baraquement, il est là. Oh merde. Attendez voir. Ok. Ça c'est un véhicule acheté, donc verrouillé. Donc je vais me méfier. Putain, en plus je suis à Walp. Ok, tout va bien. Bon, la zone elle a l'air quand même clean, non? Ah, là-bas il y a des zombies. Ils viennent de spawn ceux-là? Je sais pas. Qu'est-ce que ça donne niveau caserne? Pour l'instant, ça. Il y a un Makarov SD juste ici. M9 SD, pardon. Ok, pas de balles, mais ça peut faire peur. Ok, les zombies sont là. Et là. Ah, j'ai pas de balles, j'ai rien. Et ben, on va se la jouer ultra discret. Allez, c'est parti, on rampe. J'espère qu'il m'aggro pas parce que là, le temps que je me relève, ça peut être fatal. Enfin, fatal, peut-être pas. Mais je vais peut-être me prendre des coups, quoi. Allez, courage. Bon, pour l'instant, ça va. Ah, il y a des mouches. Vous les entendez? Faut que je me méfie grave. Hein. Parce qu'avec le MV... Oh, fuck, il y a un cadavre. Ok. Oh, un beau snipe. Un G17. De bonnes armes, attendez voir. Ah! Oh, et puis merde. Est-ce qu'il y a des mines avec ce snipe? Non, il n'y a pas de mines. Je vais looter le bonhomme. Est-ce que je peux le looter? Ouais. Backpack. 27 000 gold. Ok. Ouh. Ouh. Bandit camo. Tiens, à quoi ça ressemble, ça? Eh ben, si ça, c'est pas une manière de commencer la journée... Attends, attends. bah écoute, je vais tout prendre. 4 bandages, vas-y, envoie. 4 char... Ah bah voilà, donc en fait les bandages, non. Enfin quand même un peu. Voilà. 2 grenades, tout va bien. Attendez, ça c'est la mienne, je vais la laisser là. Blue Key. Ok. Dans le doute, j'irai tester la le MV. Mais bon, on va peut-être pas rêver non plus. JVN. Ok. Ah bah, et je vais être... Full stuff de chez Full Stuff. Et son backpack. Merci bien, au revoir. Qu'est-ce qu'il a dans... Son backpack? Ok.
Ah bah le même que derrière. M203. Ok. Ouais. Ok, et j'ai donc des sous maintenant, c'est ça? Mad. Ah non, je les ai pas pris encore. Moins 34 000 d'humanité, ça a pas changé. Ouais. Ok. Ok, vas-y, prends. Oh, 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 oh. Alors ça va me faire du bien. Étant donné que je suis en train d'économiser pour m'acheter un véhicule, ça va être... Putain, une CCO... Et ça fait combien d'épisodes que j'ai pas vu une CCOSD? Honnêtement. Celui-là, je vais le prendre, tiens. Oh. Je suis con, en fait. Je vais lâcher ça et prendre ça. Pourquoi? Pour le revendre. Putain, grave. Y a vraiment rien d'autre? Ah bah non, Patrol Pack, c'était le mien. Pardon. Matériel, bandage. Je peux les mettre dans le sac, tiens. Je vais te prendre un vrai rapace. Et là-dessus, on est bon, hein. Allez, on va voir qu'est-ce que je n'ai pas. La hatchet, ça c'est des petits bugs. Ok. On va quand même looter la zone, je veux dire. Pour le principe. Oh putain. Chargeur M9SD, parfait. Putain. Eh, si ça c'est pas de la boulette atomique. Je vous souhaite des parties comme ça, hein. Honnêtement. Ça fait quoi? 6 minutes, regardez ma gueule. Oh purée. Putain, je suis encore plus tremblant que quand je suis arrivé sur l'airfield parce que maintenant j'aurai les boules de mourir. Ça c'est quoi? M24? Les Enfield, ok, rien à voir. Ah mais non, les M24 elles sont toutes alignées, c'est vrai. Ici, on n'a rien. Ok. Eh ben, vous savez quoi? On va s'équiper du sniper et on va regarder la zone. Oh, oh. Ah oui, il a des grenades. Deux grenades. C'est bon, ça. Remise à zéro. Est-ce qu'on peut zoomer plus? On peut zoomer plus, ok. Alors ça m'a l'air d'être un snipe en béton. Je m'en suis déjà servi d'un comme ça, je sais plus. Allez, on va jeter un coup d'œil là-bas. Ouais, rien a priori. Et là-bas, ça a l'air calme également. Un petit lapin, là tout droit. Salut. Je serais bien tenté de... de me faire le lapin. Mais je vais ramener tous les zombies, c'est même pas la peine. Ok. Oh merde, attends. Je suis en train de looter le bonhomme, là. C'est pour ça que j'ai le sac à dos ouvert comme ça. Hey Chris! Who's Chris? Mad! Ça c'est moi. You speak English. Yeah, I do. Alors. Oui, je voulais m'équiper d'une autre arme. Voilà ce que je voulais faire. Allez, va pour la CCO, ça fait tellement longtemps la CCOSD. Je vais m'amuser à faire quelques frags. Juste pour reprendre la main sur l'arme. Do you know who has been shooting at the vehicles in our base? What is your base? Kovacs, est-ce que je l'ai déjà vu celui-là? Non, ça me dit pas grand-chose. I was told you have... But I do have one, yes. But I don't know anything about yours. Sorry. Buddy. Alors, il m'a dit, en gros, est-ce que tu sais qui a tiré nos véhicules près de chez nous? Il a entendu que j'ai une base près de la sienne, visiblement. It's a large detonator base with a warrant. Donc du coup je lui dis oui j'ai bien cette base mais j'ai aucune idée. Je vais essayer de ne pas rester en plein milieu. J'ai rien entendu à propos de la tienne, désolé. Ah ok, ouais, si t'entends quelque chose. Un problème. Si j'entends quelque chose, je lui dis. Voilà. Kovacs, j'ai un copain.
Eh! Vas-tu mourir? Oh, wow, 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 wow. Eh ben, il veut pas mourir celui-là. Oh, et puis merde, m'a saoulé. Allez, j'en ai tué pas mal. Il me reste encore pas mal de balles, on va rusher. Ok. Du coup, il m'en reste quoi? Deux des zombies? Ouais, ça va. Ah, je suis pas allé vérifier, tiens, le MV. Bon. Il y a peu de chances pour que ce soit celui-là, mais j'irai quand même faire un tour pour le principe. Allez, allez, vite, je suis presque. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Pas grand-chose pour l'instant. J'ai 17. Dommage, c'est pas un large. Dommage. Attendez, il y a un zombie qui arrive là, je crois. Ah oui, il est là. Ok, allez, on continue. Ah, ce serait bien de trouver un large gun bag. Je crois que ce serait le... la cerise sur le gâteau. Alors, est-ce qu'on a des zombies, des joueurs, de l'activité? Non, pas grand-chose, hein. Allez, go. Ok. Ok, ça, ça valait la peine. Pas de médical là-dedans. Un zombie, pas de médical. Ok. Bon, pour l'instant, ça se passe. Je suis en train d'imaginer qu'est-ce que je pourrais faire avec toutes ces armes. Allez là, souffle un peu. On se détend. On a des zombies à shooter. Putain, qu'est-ce qui respire encore plus fort que moi? Ok. Je crois qu'il y a un zombie dans la... Oups. Ok. M24. Un, deux, trois, quatre, cinq, six slots. 6 slots. 7, 8, si je me débarrasse des... deux comme ça. J'ai deux morphines, un blood bag, trois blood bags. Je vais lâcher ça, 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 ça. Du coup, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et les deux munes. C'est parfait. Cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un zombie. Ça, c'est quoi? Cartouche de Loompa Loompa. La Pouamag. Nom. Un chargeur, j'en ai déjà 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que je pourrais enlever? Chargeur d'un 9 SD, j'en ai 4. Allez,
sais pas si j'ai fait une bonne affaire, ma foi, c'est une affaire. Chargeur de Lienfield. Ok. Ah tiens, c'est nouveau ça. Ça a dû être placé par un joueur à mon avis. Oula, oula là. Toi t'es en galère. Oh, un SPK. Bah, j'ai plus de place mon coco. Un GPS. Un GPS. C'est tout ce qui me manquait. Allez. Des antibios. J'ai plus de place. Ok, bah je vais aller voir ce MV, on sait jamais. Et en même temps, ça va me rapprocher de Tchernarus, qui pourrait être un bon objectif. En espérant y croiser du monde et me servir de mon petit sniper. Oula, il y a des zombies. J'aurais peut-être dû m'en occuper avant de courir. Allez, dépêche-toi. J'en ai combien en fesses? 1, 2. Ça s'arrête là. Lui là-bas il m'a pas aggro. Et par ici on est bon. Alors est-ce qu'il est toujours là déjà le MV? Bon, quoique je pense que je l'aurais entendu partir. Allez, je vais me mettre en contrebas. Ok. Bah j'avance jusqu'au MV et on se retrouve là-bas. Bon bah il y a un autre véhicule. Je vais voir si c'est celui-là que ma clé ouvre. Oh, celui-là, il a l'air en mauvais état. Hein. Locked. Non, il n'y a pas moyen de le déverrouiller. Le MV, est-ce que je le vois déjà? Je sais rien du tout. Je sais même plus où il était. J'étais tombé dessus complètement par hasard. Attendez. Le baraquement. Oh, j'y suis pas encore. Allez, Lips. Ok, je suis en approche. Regardez-moi cette, cette balance. Enfin, cette balance. Mon portefeuille là, 25 000. Woot! Oh my god! Ok, ça va chier. elle est où la tourelle? Elle est où la tourelle? Wouhou. Elle est où? Tireur. Oh merde! Il n'y a pas de mun. Oh, je suis deg. Vas-y, recharge. Add ammo. M2. Ok. Bon. Je vais pas dire que c'est une déception. Ce serait mentir. Putain, et elle est en état parfait. Regardez ça, il manque. Oula, 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 oula. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok. C'est quoi le bug? Je peux pas la prendre ou quoi? Lock. On est d'accord, c'est bien la clé. Unlock. Attendez. Voyons voir qu'est-ce qui se passe. Conducteur. Ok, peut-être un lag ou quelque chose comme ça. Je disais donc, regardez-moi l'état de ce machin. Il est en parfait état, il manque à peine de l'essence. C'est ouf. Putain, le mec, il doit être vert. Je vais me barrer d'ici parce que j'ai pas envie... J'ai pas envie de retomber sur lui. Ouah, mais comme ça, claque. Oh putain, je suis trop content. Eh ben, ce que je vais faire... Je vais aller chercher le fight avec mon véhicule, avec mes armes, à l'airfield. Ou peut-être en chemin, si j'en trouve en chemin. Mais ouais, je pense qu'on va faire ça. On va essayer de faire un peu de PVP, là. Allez, ellipse. Ok, je suis arrivé à l'airfield. Ok, je suis arrivé à l'airfield. Mon véhicule, il est là. Moi, je suis dans le bâtiment Indus. Je pense que c'est un bon point de spawn. De camp, pardon. Putain, le con. J'arrive, je me fais saigner. Allez, je vais tout de suite échanger d'armes. On va voir s'il y a du monde. J'ai cru entendre des coups de feu avant. Ça avait l'air assez lointain. On va voir ce qu'on peut faire. Ça venait genre de la caserne ou même plus loin.
Ok. Salut Matt, pour quand la vidéo? Plus tard dans la journée. Pas celle-ci, hein. Une autre qui est en cours d'upload. Alors, est-ce que je vois quelque chose? C'est à quelle distance ça là-bas par exemple? Genre la caserne déjà. 540 mètres. Le baraquement là-bas, il est à 25 mètres. Ok, il doit y avoir un bug. Ah, je pense que je vise le mur. 800 mètres. La tour de contrôle. 500 mètres. Restart dans 5 minutes. Je vais prendre un peu de hauteur. Peut-être que je verrai un peu mieux. Oh, ça c'est peut-être dangereux, non? Ça c'est peut-être dangereux. Ah, je vois beaucoup mieux, regardez là-bas. Ok. Oh, regardez, des zombies. Des zombies ultra loin. Oh, 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 il y a peut-être quelqu'un là-bas. Ah ouais. Zombie par là. Voilà qui est intéressant. Je savais que j'avais entendu des coups de feu. Regardez, encore un zombie. Allez, allez, faut trouver l'aggro maintenant. J'ai déjà ajusté un peu mon snipe, voilà, genre 500, ça a plutôt l'air d'être, ouais, dans les 500 mètres. Il a combien de zombies? 600 mètres, même 700 en fait. Ok, minimum 700, voire 900. Ah, il y a des zombies partout en fait. Dans toute la zone là-bas. Deux petites minutes. Ok, je vous reprends, désolé. Je devais faire une petite pause. Alors. Est-ce que je vais finir par voir quelque chose, moi? Ouais, il a l'air d'y avoir pas mal de zombies là, regardez. Il y en a 1, 2, 3 dans la zone. Peut-être même plus si je regarde la zone Indus. Il est peut-être dans la zone Indus, dans les bâtiments là-bas au fond. Peut-être la tour de contrôle. Ouais, il y en a moins. Je pense que ça se disperse plutôt. Là, il y a deux zombies. L'un à côté de l'autre. Il y a du monde, il y a du monde, ça c'est sûr. Combien de personnes? Je sais pas. Attendez, on va regarder ce qu'ils font ces zombies. Je suis accroupi, c'est bon. On est à combien là du coup? 800 mètres, ok, 800. Est-ce que j'ai moyen de bien stabiliser mon viseur si je clique droit? Ouais, ça va. Ah, j'ai cru qu'il avait commencé à courir celui-là. Ah, je crois que ça a restart. Ellipse. Bon, eh bien, le serveur a restart. Et il n'y a plus personne. Enfin, du moins, il n'y a plus de zombies, rien. Donc, je suppose que soit le mec, il n'est pas revenu. Ou je sais pas. Ou pas encore. En tous les cas, je vais pas m'attarder ici. Je vais continuer à progresser dans l'airfield. J'aurai peut-être un meilleur point de vue ou des trucs comme ça, on verra bien. Je vais d'abord aller à mon véhicule. Enfin, mon véhicule. Oui, oui, mon véhicule. Dûment gagné. Enfin, c'était pas très compliqué. Hein. Matériel. Ah tiens, j'ai même pas regardé. Est-ce qu'il y a des trucs dedans? 4. Ah non, d'accord. Que 4 armes? Ok. Bah, je vais laisser ça. Ça. Ok.
tout ça là. Tout ça, du coup je garde... Non, ça je vais pas prendre non plus. Voilà, ça va me faire pas mal de place, ça va être bien ça. Du coup j'ai un chargeur de snipe avec le snipe qui va avec. Je vais laisser ça également. Bon, ça commence à être pas mal. Ok. How much is for a little bird? Lock. Je vais le laisser là. Je pense qu'il risque pas grand chose. Au pire, on va lui péter les roues, mais... Je pense que c'est résistant, ces bêtes-là. Et je vais avancer. Je vais essayer d'aller dans... les baraquements qui sont juste là. Allez, j'avance. Et je vous retrouve là-bas. Ok, je suis en approche. Ça s'est bien passé, il n'y avait personne. Comme je l'avais pensé. Oh, il y a un... Ok, donc lui, là, il est complètement naze. Attendez. Ok, nickel. On a la paix en plus. Enfin, pour l'instant. Je suis pas à l'abri. Oh, j'ai bien fait de venir, je crois. Je vais aller revendre tout ça, ça va être terrible. Je crois que j'envisage même de revendre le MV. Je sais pas encore. J'aimerais bien m'acheter un SUV blindé quand même. Des JVN, ça peut se revendre bien ce machin. Médical, non. M240, ça peut se revendre. Je pense que les marchands, ils vont pas cracher dessus. En plus, ici, il y a 4 baraquements. Ouh, M9SD. Avec un chargeur. J'ai bien fait de laisser des chargeurs. J'hésitais à venir en véhicule. Ça aurait été plus simple pour looter s'il y avait énormément de d'armes. Mais en même temps, je crois qu'il est plein, non? Enfin bref, je voulais pas faire de bruit. Voilà, tout simplement. Allez, finance un Uzi. Je crois que ça, c'est le baraquement le plus dangereux parce qu'il est genre juste dans l'alignement de la tour là-bas. J'ai 17. Rien. Reste accroupi, reste accroupi. Oh, il y a des mules là-bas de véhicules. Si c'est quoi du M2, je crois. Hein. Le M2, c'est ce qu'il faut pour ma tourelle. Ma tourelle. Je me suis déjà complètement approprié le véhicule. Oh oui, ça c'est bon. Ça c'est bon. Je vais faire un carnage avec ce truc, ça va être terrible. Ouais, des zombies je crois dans le bâtiment en face. Ouais, il y a grave des zombies, ils sont tous en train de rip-up là. Eh ben, il a l'air vide ce bâtiment ou bien? Ouais, limite ça a pas pop. Ah si, un painkiller. La folie. Ouais, pour l'instant j'ai de la place, je vais la prendre. Ça fera toujours quelques milliers de simflouz en plus. C'est pas vraiment des simflouz, mais bon. J'ai 17, une grenade. Attendez, il y a les zombies qui arrivent. Il est où le pote? Il est là le pote. Rien par ici. Ah tiens, à manger, j'ai peut-être faim. Oui, c'est pas une mauvaise chose. Ok. Ensuite, ici c'est quoi comme chargeur? Stanag, j'ai rien qui va avec le Stanag. Je vais pas m'en encombrer. Ça c'est bon. Putain, je vais me faire des couilles en or. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai de la place ici. Je serais bête de ne pas en profiter. Voilà. Largement de quoi faire. Un slot restant. Qu'est-ce que je peux mettre moi dans un slot? Qu'est-ce que j'avais vu là-bas? Une grenade. Bah voilà, nickel. Ah, il me reste encore un bâtiment, je crois. Bon, au pire, je dégage les G17 si je trouve... Ah non, je les ai tous faits.
Nickel. Alors là, dans le genre, ça pouvait pas mieux tomber. Je suis juste full comme il faut. Alors, je vais prendre le snipe. Regardez un peu aux alentours. Je vais peut-être même me mettre... on va peut-être recharger avant de regarder. Non. Ouais. Allez, on va jeter un coup d'œil. Juste pour le principe. Ok. Alors, ce que je vais faire... Je vais aller dans la tour de contrôle. Dépêche-toi. Putain, il m'a sauté dessus, le salaud. Allez, viens à l'intérieur, que je te règle ton compte, toi. Je vais aller... C'était quoi ce bruit? Oh putain, passe. Je vais aller dans la tour de contrôle qui est juste là-bas. J'aurai un meilleur point de vue sur toute la base. Elle est genre pile poil au centre de tout l'airfield. C'est, je crois, un des meilleurs points pour sniper. Bon, c'est aussi dangereux parce que du coup, on est ultra vulnérable. Mais si on est discret à la base, ça peut être pas mal. Donc je vais faire ça. Je vais aller dedans. En plus, j'ai une arme silencieuse. J'ai même deux armes silencieuses. C'est excellent contre les zombies. Attendez. Regardez ce que je vais faire. Je vais laisser monter le zombie. Ici, c'est un M9. Et il n'y a rien de mieux. Encore un M9. Putain, c'est la foire au M9. Hein. Je vais laisser monter le zombie. Comme ça, il n'est pas dans le champ de la sortie. Et il se verra moins depuis, genre, là-bas ou des trucs comme ça. Mon humanité, elle baisse légèrement. Ah, oh, puis merde, j'ai pas envie d'attendre, là. Mon humanité, elle baisse légèrement. Je suis en train de me faire des zombies, c'est donc... Enfin, elle remonte, plutôt. Non, elle baisse pas. Elle remonte. Perte de connexion par la Monkey Boy. Alors... Il n'y a pas de zombies. Oui, il n'y a pas de zombies. Il y en a un qui arrive, mais ça c'est pour moi. Là-bas, qu'est-ce qu'on a? Ok, pas grand-chose. Ok, tant pis. Bon. Du coup, c'est vide ici. Ce que je vais faire, je vais aller... Je vais aller chez les marchands. Je vais aller revendre tout mon surplus de matériel. Pour l'instant, je vais garder mon MV étant donné que j'ai trouvé une arme. Enfin, des munitions. Et puis voilà. Allez, moi, je me déplace jusqu'au MV. Et je vais rouler jusqu'à la base, jusqu'au marchand de bâche. Et j'irai revendre tout ça. Je sais pas si je vous garde avec moi, je verrai bien. Allez, à tout de suite. Ok, j'arrive à bâche. Nickel. Ah, il y a un joueur. Je vais regarder, tiens. Tireur. Successful. Conducteur, vite avant que le mec y vienne. Ah, il va essayer de looter mon véhicule. Cet enfoiré. Il a peut-être même déjà réussi. Ok, lock, il peut plus me voler. Je vais voir ce qu'il me veut le bonhomme, et comme dit, je vais aller tout revendre, toutes les armes en trop. Je vais garder, ben, la M4. Yes. Snakeys. Ouais, donc comme dit, je vais tout revendre, je vais mettre en banque les 25 000 dollars. Bah attendez, je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Banque.
Ouais, enfin voilà, bon, je vais vous laisser là, comme dit ça va pas être marrant, je vais tout revendre et puis je vais garder le MV et puis voilà. Allez, je vous dis à très bientôt pour la suite, ciao ciao.